Donc salut les gars, donc aujourd'hui on est à Saint-Orens et je vais vous parler de des endroits où on peut skater quand il pleut pas loin de là où j'habite, donc pas loin du skatepark de Saint-Orens. Donc là on est à la mairie, je sais pas si vous voyez, et juste derrière, là vous tournez un petit peu, juste derrière moi vous avez une rue, et dans cette rue au bout il y a une halle sportive, ça s'appelle comme ça, et vous pouvez y aller tous les jours. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est ce bâtiment là-bas. Bon, vous avez des nouveaux logements, bien sûr. Un extraordinaire. Donc, si vous y allez le samedi, par contre, le samedi, il y a le marché. Bon, c'est pas gênant, mais vous pouvez reprendre des trucs au marché, du coup, si vous avez, quand vous venez. Et voilà, après les autres jours, en général, le matin, c'est libre, il n'y a pas de soucis. Le sol est nickel, vraiment, le sol est très lisse. Je pense que vous ne trouverez jamais un sol aussi lisse et aussi droit. Il y a des points d'eau un peu partout, donc je ne sais pas si en hiver, il les ouvre. Je suis habitué les ouvre pas. Voilà, c'est cette salle. Donc là vous avez un endroit là si vous voulez vous poser, en plus c'est sympa. Si vous êtes avec des enfants aussi, je pense pas parce qu'ils font du skate. Donc voilà, ça en général c'est pas ouvert. Mais bon, voilà. Donc du coup c'est une salle en fait et il y a souvent personne en fait. Vous avez un très bon sol. Et vous pouvez éclairer la nuit. Ça fonctionne normalement. On va voir si c'est. Ils ont supprimé le. Ils ont supprimé l'espèce de boîtier là pour allumer. Donc, avant là il y avait un boîtier, on pouvait allumer. Ça je savais pas. Donc est-ce qu'ils ont mis autre chose? Apparemment non. Ça veut dire qu'ils doivent fermer. Mais voilà, sinon c'est un bon endroit pour skater. Vous pouvez voir sur mon TikTok, il y a pas mal de séquences où je m'entraînais ici. Bon, j'ai arrêté un petit peu, mais vous pouvez toujours y aller. Voilà, si jamais vous voulez skater là où... Donc voilà, si jamais vous n'avez pas d'endroit où skater quand il pleut, ben, vous avez celui-là, c'est free, c'est gratuit, c'est tout le temps ouvert normalement. Là vous avez le fitness park, donc imaginez vous terminez votre séance au fitness park et vous allez directement skater au parking. Donc là on est au centre commercial de Leclerc et du coup je vais vous montrer le deuxième spot à Saint-Orens où on peut skater quand il pleut en toute égalité bien entendu. C'est un parking à étage avec 3 niveaux. Moi je skate souvent au niveau 3 parce que j'estime que c'est le mieux. Et vous avez aussi le niveau 2, la plupart des skaters de Saint-Orens c'est mon niveau 2 parce que bah, le flat il paraît qu'il est mieux. Moi, c'est un parking sur étage donc le sol il est bien partout quoi. C'est pour chipoter quoi.
toute façon, le sol, il est meilleur qu'au skatepark de Saint-Aurens. Donc allez, c'est parti, je vais vous montrer ça. Donc le voilà. Donc il est vers l'entrée. Alors je sais pas c'est laquelle entrée, je vais regarder. Il est vers l'entrée A et du coup pour vous y rendre en... Donc il est vers l'entrée A et pour vous y rendre c'est simple, vous avez deux bus qui passent, enfin trois bus, il y a le Linéo 9, le 78 et le 83 qui passent juste devant. Donc depuis le centre-ville ça fait quoi, 20 minutes, 30 minutes maximum. Depuis Balma, 20 minutes. Depuis Ramonville, 20 minutes. Donc voilà, ça vaut le coup, quoi. Et... Parce que bon, on sait qu'il va faire beau. Là où c'est Tanza qui vous emmène ? Oui, c'est Tanza. Ouais, c'est Tanza. Donc ça, c'est l'entrée principale. Les petits escalators. Vous pouvez prendre un caddie si vous voulez sauter, tout ça. Voilà. Donc le poste de sécurité, il est juste en bas là au niveau de la porte blanche. Il y a plein de caméras bien entendu. Voilà, c'est plutôt bien éclairé comme vous pouvez le voir. Le sol est magnifique. Là on est au niveau 1. C'est un niveau que je skatais beaucoup avant. D'ailleurs là je vais vous montrer un truc. Là vous avez une table là, juste ici. En fait cette table c'est là où je fais mon peak spin manuel. Dans l'appart My Town que vous pouvez voir sur YouTube, tapez Aurélien Machu My Town Part. Town comme ville en anglais. Et voilà, vous allez voir, il y a des petits tricks, ça montre un petit peu tout le street qu'il y a à Saint-Aurens. Donc ça fait une petite visite guidée des spots de Saint-Aurens. Il y a juste à côté, si vous prenez un des bus, vous pouvez vous y rendre, c'est pas très loin. Voilà le niveau 1, tous les niveaux se ressemblent un peu. Là on va aller au niveau 2, celui-là qui est le plus souvent skaté. Voilà, quand vous arrivez, ça c'est clair. Automatiquement, il y a des détecteurs. Bon, c'est moins bien éclairé. Voilà encore le manipad, alors c'est peut-être celui-là en fait que j'avais skaté dans l'appart, je ne me rappelle plus. Et bon là vous avez beaucoup de ledge. Et oui ça c'est... Oh, le sol il est pareil hein, en vrai. Je vais tester pour voir, je vais vous dire. Ça roule tout seul. Oui voilà, il y a peut-être un peu plus d'espace. Il y a moins de rebords, je sais pas. Est-ce que ça roule mieux? Bon, non, pas plus que ça. Ça roule bien, mais je suis pas convaincu que ça roule mieux. Donc voilà, il y a tout ça. Niveau 2. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le niveau 3 parce qu'en fait, les caméras... analyse moins ce qu'on fait, c'est plus discret aussi parce qu'on est en niveau 3. Donc les gens ils sont pas gênés. C'est plus sympa aussi parce qu'il y a beaucoup de petits rebords à slider et il n'y a pas besoin d'amener de module limite. Moi j'amène souvent un petit rail Décathlon, un truc comme ça, ça fait l'affaire largement. Donc là on arrive à mon niveau préféré, le niveau 3, il est bien éclairé aussi. Vous pouvez le voir. J'adore, c'est ça là. Il y a plein de petits rebords comme ça. Toujours un manipad au fond là-bas. Ouais, ça roule aussi bien. Ça roule voire mieux en fait. Donc ouais, il y a plein de rebords comme ça qu'on peut déplacer. Tiens, d'ailleurs, celui-là, il n'était pas là avant. On peut sauter ça, c'est ça qui est bien aussi.
pour sauter ce genre de petits trucs. Pas mal d'espace, le sol, il est, pour moi, il est de meilleure qualité en vrai ici. Et voilà, en fait, pour vous indiquer où c'est le niveau 3, il y a des petits stickers allemand skateboard, des trucs comme ça, mis exprès pour vous indiquer que vous êtes bien au bon endroit. Vous avez une vue sur le Leclerc Auto. Voilà, bon après, il n'y a rien d'extraordinaire. Ça, c'est... Ouais, ça a été waxé. C'est bien, ça. Et voilà, quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je mets un lien, un petit Alma Skateboard Vinted pour ceux qui veulent acheter des t-shirts. Alma Skateboard, on aura peut-être des boards dans un peu de temps, je ne sais pas exactement si ce sera début de mois prochain ou faudra voir. En tout cas, si vous tapez Aurélien Machu, vous pouvez prendre un article et vous en aurez un offert. Par exemple, si vous prenez une board en 7,75, parce qu'on n'a plus que des boards en 7,75, vous pouvez prendre un t-shirt en plus et ça coûtera le même prix que la board. Voilà. Vous n'aurez pas à acheter un truc en plus. Si vous voulez prendre deux t-shirts, vous en payerez qu'un. Juste en mettant Aurélien. Bon allez, des bisous, bon skate. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à liker et à commenter parce que ça répertorie la vidéo. Et c'est cool. Du coup... A plus.